Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, Dota Lane Challenge, comme d'habitude les frérots, tous les week-ends, je suis accompagné du frérot Lilian31, comment tu vas? Ça va, tranquille, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes chaud patate. Merci Boustache pour l'invitation du coup. Et puis, hâte de découvrir un petit peu ce petit concept qui apparemment est copyrighté, de ce que j'ai compris. Donc du coup, on va découvrir ça et on va voir ce que ça donne. Toujours content. Bah merci à toi d'avoir accepté, ça fait grave plaisir de t'avoir sur la chaîne aujourd'hui hein. Ça fait un moment que je voulais faire un truc avec toi, ça fait pas mal de temps quand même qu'on se connaît avec Lilian. On n'avait jamais fait de trucs sur la chaîne, donc ça fait plaisir de l'avoir aujourd'hui ici. Alors le copyright, c'est sûrement Kaïs qui t'a dit. Exactement, c'est Kaïs, ouais, exactement. Kaïs, le voleur de concept, on te connaît, hein, petit filou. Kaïs qui s'est approprié le random rush, il veut s'approprier tous les concepts. Et bah non, il met pas l'argent sur la table, il aura pas le mien. Voilà. Attaque en justice, tu verras avec mon avocat Kawaii. Donc Kanik, alors pour ceux qui connaissent pas, on va tout simplement aller sur le site que vous voyez à l'écran. Donc, à gauche, il y a mon pseudo, à droite, celui de Lilian, ou l'inverse, hein. Ça dépend sur la cam. On va tirer 3 liens par personne, et avec ces 3 liens, on devra constituer une équipe. Donc, par exemple, par au combat, on va choisir Gogeta, et puis Vegito. Et si on utilise un perso pour par au combat, on ne peut pas utiliser un autre lien. Donc, dès que les persos sont utilisés par un lien, on les met sur le côté. Et ça va faire une équipe de 6, donc, pour 3 liens. Au niveau de la relance, on va pouvoir relancer un lien. Et au niveau si jamais vous n'avez pas de perso avec le lien, parce que ça arrive de tirer des liens très pourris, et ben vous partez avec un slot vide qui va se transformer en Cyberman. J'espère que ça ne nous arrivera pas aujourd'hui. La dernière fois, Shinny il était en sang. Hein. Je peux te dire que Shinny était en sang. Ah, Shinny il est maudit de toute manière. Sur toutes les vidéos, il est maudit de toute manière. Donc lui, j'en doute même pas, tu vois. J'en doute même pas. dis-toi, moi, je suis là qui ai le moins de chance sur mon coup. J'ai fait que de perdre Chini, j'ai gagné. Sérieux? Chini, il a sauvé mon honneur. Putain, j'espère que je te sauverai pas une deuxième fois alors. Hein. Parce que moi, je suis connu pour être défaitiste aussi. Ah ouais? Ah ouais, ouais, clairement. Donc, ah coup, bah, on est deux alors. Voilà, je compte sur toi, Boustache, ça fait un effort aujourd'hui. La chaîne du frérot Lilian sera dans la description comme d'hab, hein. Il y aura la partie 2 sur sa chaîne, ouais. Donc n'hésitez pas à aller check ça et à vous abonner ça vous plaît bien sûr. Plein de bonne humeur sur sa chaîne, allez voir le Yonku, ça fait plaisir. Donc bah écoute, je te propose de lancer tout de suite les liens. Ouais, attends, moi j'ai pas le site des liens. Je t'enverrai en fait à chaque fois, d'accord, okay, les liens en fait. Ouais, parce que du coup c'est vrai que les liens en fait on n'a pas l'habitude de trier par lien, donc faut vraiment connaître tous les personnages qui les ont. Ouais, d'ailleurs sur la Jap, ils vont sortir une mise à jour là qui fait plaisir avec les liens. Oui. J'attends avec impatience ce qu'elle sort sur la globale. Ouais. T'es sur quoi toi, globale ou Jap d'ailleurs? Non, moi je suis sur global. La Jap, je l'ai lâché à partir du moment où j'ai perdu un compte où j'avais faim pendant un mois tous les jours. Wow, j'avais trop la haine. Ça c'est dur. Hein. J'avais trop de chance, j'avais tout drop. Aïe, et après, plus rien. J'ai dit bon, on va arrêter là. Allez, hop. Ah ouais, d'accord. Bon, dis-moi tout. Pour toi, Lilian, ouais. On a Guerrier Tenace. Peur et désespoir et génie. Oh, putain, donc en gros, pour situer un peu le truc, c'est génie, c'est Vegeta, Freezer. Peur et désespoir, c'est à peu près tous les méchants qui l'ont. Et guerrier tenace, t'as Pequen qui l'a et c'est 16. Je vais t'envoyer les liens, t'inquiète pas. Je vais sur le Discord. Ah oui, ouais, voilà, ouais, c'est ça. J'étais en train de noter, tu sais, les catégories. J'étais en train de me dire, attends, je vais jamais retenir les 3 catégories. Envoie-moi les directs. Ah, j'avais sorti mon stylo et tout. Hein. Ah, j'étais en sueur, tu m'as sorti des catégories, je les ai jamais entendues de ma vie, je crois, limite. Et moi, j'ai tiré du coup ND Saiyan, Commando de couleur et Bataille Divine, donc compliqué. J'ai pas mal en chier. Bon, je sais déjà le lien que je vais relancer, moi, les frérots, je pense que. Oh, il y a du beau monde là, quand même, avec. Ah ouais, t'as tiré le gros lot là, je vais pas te mentir. J'ai vu que le premier lien encore, j'ai pas vu les deux autres, mais. Ça a l'air pas dégueu. Ouais, ok. Ah si, ah, le deuxième c'est vraiment de l'extrême quoi, ok. Et troisième. Ouais, toi, c'est mes peurs et désespoir, c'est vraiment gros lien. Génie, peur et désespoir, tu veux faire du lourd de fou, hein. T'as Freezer qui a. T'as les Freezer, etc. en extrême. Ouais, si j'ai bien compris, c'est deux personnages par catégorie, c'est ça, Boustache, hein.
Parlien, ouais. Ouais, Parlien, ouais, ouais, excuse-moi. Ouais. Ok, très très bien. Je vais pas te mentir, je vais relancer comme un dos de couleur parce que il y a JCCR dedans et à part ça il y a que des R donc. Ouais, je crois qu'il y en a on un. On va relancer ça. Un, je crois que je vais le relancer aussi en vrai parce que. Oh mon dieu. En vrai, si tu peux me relancer le. Franchement, le guerrier tenace, il est horrible. Vas-y, ok, je relance. Moi j'ai relancé du coup savant. Ouais, le guerrier tenace, laisse tomber, je peux pas jouer avec, c'est pas possible, c'est le cidre, hein, vraiment. Allez, je vais te le relancer, c'est parti. Guerrier tenace et on tire respect. On tire respect. Respect, est-ce que c'est mieux? Je te mens pas. Non mais franchement, je te dis la vérité, je t'ai envoyé le lien. Je te dis la vérité, je pense que tu es mieux loti que moi, mais largement. Genre vraiment largement. Mieux loti que moi. Bah écoutez, on va commencer à composer les teams. Ouais. Ah oui, et j'ai oublié de le dire d'ailleurs. On va aller du coup, le but c'est quoi? Le but c'est d'aller le plus vite possible ou d'aller le plus loin possible sur le combat d'Okan effréné, donc qui est juste ici, ou sur le boss rush comme vous voulez. C'est vrai que le combat effréné, je trouve ça pas mal au niveau du choix des chemins, etc. C'est un peu plus intelligent, tu vois. Ouais. Ah mais attends, en plus faut construire une team avec un leader et tout aussi. Putain, j'avais zappé. Ah bah oui, wow. Forcément. Ah ouais. Et sachant que le leader, l'ami leader... Wow. L'ami leader, j'ai dit, il n'y a que les god tier. Hein. Il y a que les god tier. Mais c'est chaud, André. Putain, faut réfléchir au lien, au leader et tout. Oh. Donc, ouais, c'est assez tendu. Ouh là là, qu'est-ce que tu m'as fait, Boustas? Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, mais moi, je te jure, l'équipe que je vais faire là va être incroyable. Hein. Incroyable dans le mauvais sens. Hein. Ah, elle va être incroyable dans le mauvais sens. Tu me mets pas bien, là, Boustas. Qu'est-ce que tu m'as fait, gros? Attends, mais ND Saiyan, déjà, je sais même pas qui je vais prendre. Attends, c'est parce qui que tu respect, c'est ça la catégorie? Ouais. Ah, j'ai pas le Ginyu. Ah. Ouah, y'a rien dans la catégorie, qu'est-ce que c'est ce délire? On a combien, à combien de retirages on a droit? Un seul? Ah, bah oui, hein. Ah, mais elle, Lilian, vous le voyez se plaindre, mais je crois il voit pas mon écran, c'est pour ça. Ouais, non, mais en fait, c'est juste. Je vois ma dernière catégorie, en fait, je suis en sueur, c'est juste ça qui me fait peur, mais. Ouais, mais t'inquiète, je pense que ça ira par rapport à moi, je te jure que. Je pense que. Ça va. C'est lequel ce freezer là, qui sort d'où, je suis là. Bon, là, les gars, j'ai choisi pour NDC, du coup, je vais choisir pour Savant maintenant. Ouais. Alors, Savant, il y a Bulma Lapine et Bulma tout court, donc c'est. Voilà. Mon choix est vite fait, hein. Ah, c'est pas ce Freezer là? Attends, ils sont d'où ce Freezer? Je l'ai pas lu. Lequel? Autorité impassible? C'est quoi celui-là? Je sais pas, c'est un Golden Tech, mais en fait, je pensais que c'était le Golden Tech en lien génie. Ah, c'est un Golden Tech genre avec son doigt en avant là? Ouais, ça doit être ça, je pense. Parce que lui, du coup, il a pas le lien génie, j'imagine. C'est. Je crois que c'est le Dokkan C'est le Dokkan du CCRT, je crois, qui est même plus sur le portail d'ailleurs. Ouais, je vois. Carrément, ils ont enlevé des persos des portails, ils ont rien respecté, genre vraiment, c'est des persos collector maintenant. Oh, mais j'avais pas vu, c'est vrai qu'il y a un freezer ici full power, bah dis donc. Je suis en sang, je te jure, je suis en sang. Ah ouais, ça va, t'es pas mal. Ouais. Ah ouais, t'es pas si mal, t'es bien. on va voir, tu verras ça. Mais moi, je suis pas aussi serein que tu l'es. Je te fais pas confiance, tu baites. En vrai, tu fais comme Yekai, tu fais genre t'es mal, mais en fait t'es non. Pas mal. Non, moi je suis pas un baiter. Bon, génie, c'est fait. Ici. Ah, mais le pire, les gars, c'est Soven. Soven, il me l'a mise à l'envers la dernière fois. Sérieux? Il m'a dit, ouais, je suis un boss avant toi et tout, alors qu'il avait presque fini le salaud. Wow. Et à la fin, il m'a dit, j'ai fini. Soven, je t'en veux. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, sache que je t'en veux. Tu m'étonnes. Ah, c'est chaud en vrai de choisir. Putain, parce qu'en fait, le deuxième lien que tu m'as donné, ah, y a tellement d'unités puissantes. C'est incroyable, je sais pas qui prendre en fait du coup. Moi ça va assez vite parce qu'il y a à peu près deux unités viables dans chaque lien, donc ça va plutôt vite. Ah, j'en ai tellement. Bataille divine, y'a que. Ah ouais, bataille divine, ça va être la. En fait, j'ai pas de leader en fait, si je comprends bien. Je n'ai pas de leader. Très bien. D'accord, bon. On va faire avec. On va faire avec les frérots. Le choix est cornélien.
Que vais-je faire? Tu vas pas le faire. Mais ça va être... ça va... Bon, de mon côté, les gars, ça se présente pas super bien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de faire ce qu'on peut. Parce que... déjà, j'ai pas de leader viable. Ouais, donc ça, c'est déjà c'est un souci. Mais bon, on va essayer. Le Golden Lion. Ah, ouais, ah mais je suis deg, lui, j'aurais dû l'acheter dans la boutique, là, ce salopard de LR Guignou, là. C'est tout le temps quand tu fais des trucs comme ça que tu te dis ah ouais, celui-là j'aurais dû le Dota, celui-là j'aurais dû le monde. Tu vois, c'est tout le temps quand tu fais des trucs comme ça. C'est pas bien là. Je suis pas bien du tout là. J'ai des unités. Le dernier lien là, il est horrible le respect là. Il y a que des guignous. En fait, il y a que guignous. Et moi je sais. Mais moi je suis en PLS. Hein. Je suis vraiment en PLS. Moi je sais pas du tout avec quoi je vais partir en leader. Hein. Et si on n'a pas les personnages de la catégorie, je me tape des Cybermen, c'est ça? Ouais, exactement. Oh, yeah. Ça va être, je crois que ça va être le plus catastrophique que j'ai fait de ma vie. Hein. À ce point, j'ai pas de leader, mais quand je dis pas de leader, j'ai pas de leader. Genre, le choix est super restrictif et j'ai vraiment pas de leader. Et je les ai pas, ces persos, je les ai vendus, ces persos R, SR. J'ai vraiment pas de leader. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va faire 100. On va faire ça. Ça va être assez incroyable ce qu'on va vous proposer aujourd'hui là, c'est... Incredible. Ça va être fou. Ça va être vraiment fou. Du jamais vu. Tac, tac. Non mais je les ai pas, même les unités SR là. Je les garde pas en SR. J'en ai de la vie. Je les garde pas ces unités là. Et ouais, je sais pas. Putain, on va se taper deux Cybermen. C'est terrible de se taper deux Cybermen quand même. Deux Cyber 2 ? Bah, la dernière. Vraiment rien aucun. Bah, la dernière catégorie, j'ai pas les personnages en fait. Ah putain. J'ai pas. En fait, il y en a un, j'aurais pu l'acheter dans ma boutique, je l'ai toujours pas. Le Guignou LR, ben lui je l'ai pas, mais le Guignou transformé en Goku là il s'achète dans la boutique, mais je l'ai pas pris encore. Et les Guignou, c'est dur, les Guignou SR et tout, ben, je les ai pas. C'est dur. Dur pour toi. Bon, moi je t'avoue que j'ai toujours pas trouvé des dards, mais c'est pas grave, on va faire ça. On va retourner dans Fille pleine de vie. Alors, oh, c'est la merde. Oh, c'est la caca là, c'est la caquine. Ouais, mais bon, vas-y, faut faire des choix, on va faire des choix. C'est pas grave. Dans la vie, faut faire des choix. Exactement. Donc, on va mettre la Bulma en leader. Alors, mon leader, ça va être du ki plus 3 PV attaque défense plus 40%. Ça va encore. Pour deux types que je n'utilise pas. Ah! C'est au final, ouais, ça va, mais en fait, non, ça va pas très bien. C'est compliqué, on va dire. C'est compliqué. It's a bit complicated. Putain, bon. Le baby en plus, j'ai même pas. Je me tape de SR, de Cybermen du coup. Le baby free to play, j'ai même pas monté quoi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis tout à l'heure, je dis c'est pas grave, on voit bien le. La PLS de l'homme. Le seum sans mon visage. Oh punaise, y'a quoi en même? Attends, les leaders c'est des extra. C'est des. Ouais, c'est les god tiers. Wouah! C'est vrai qu'ils donnent. Ouais. Ça y est, t'as fini ta team toi? Ouais, bah ouais. Ah, les amis leaders ils sont nuls en plus. Ah, de ouf, hein. C'est vraiment du caca. Ah, ils sont horribles. C'est le cas de le dire. Bon, bah je vais finir ma team. On a le droit aux objets du coup, hein. Oui, t'as le droit aux objets. Oui. Okay. Oui, non, mais puisque là, on va en profiter parce que les objets vont être utiles, je pense, dans ce genre de. Ah, je sais pas comment je vais faire, je te dis la vérité, ça va être horrible. Ça va être horrible. Bon, on va. C'est bon, je sais ce que je vais faire. Bon, écoute, je suis prêt. J'ai deux Cybermen dans l'équipe, mais je suis prêt. Je suis motivé comme jamais. Bah écoute, moi... Attends, peut-être que je vais prendre le Golden en leader en fait. Ouais. Ah non, je croise juste. Allez, les doigts. On va... Allez, on... Je vais jouer sans qui en leader, ça va être incroyable.
Du jamais vu, je vais jouer sans qui en leader. Je t'attends devant le bonhomme ou j'attends avant d'appuyer sur start? Tu peux m'attendre, tu fais ta première rotation et tu m'attends. Ouais, ouais, c'est ok. Non. Ça marche. Désolé. Je vais te dire exactement combien j'ai de PV. Ça va être sale. À 189 000. Oh putain. C'est beaucoup. D'accord. Non, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Ah ouais, c'est pas beaucoup, 189 000. Ouais, avec deux saves. Et moi, je sais pas combien je vais avoir. Je te dis la vérité, je sais pas combien je vais avoir. Donc, ça dépend de ce que t'entends par beaucoup. Ouais. Si tu parles beaucoup par rapport à moi, je pense que ça va être beaucoup. Après. En règle générale, je pense pas. Bon, on va. Écoute, Pierre, moi je suis prêt. Ok, bah moi je suis en train de. C'est bon, j'ai décidé de ce que j'allais faire. Je pense que c'est mieux. Ouais, je pense que c'est clairement mieux comme ça. Le dernier lien qui me reste, c'est Bataille Divine. Ouais. Et Bataille Divine, il me reste un perso à choisir. Il y a du long, Bataille Divine. Ouais mais en fait si tu veux Bataille Divine en fait c'est les premières unités, tu sais c'est le premier Goku Blue, le premier Vegeta Pui. Ouais. Donc j'ai pas eu le temps de monter leur spé pour l'instant parce qu'il y avait ceux d'après. Ah là 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 là, le Goku Blue c'était celui qui avec le Jubai et tout là. Ouais justement exactement, tu vois j'ai préféré monter le Jubai eh oui. Et du coup celui-là je l'ai pas monté mais forcément. Il a pas Bataille Divine le Jubai cet enfoiré. Enfoiré Jubai. Alors que pourtant. Tu me paieras. Il devrait l'avoir. Ah ouais, mais les liens Hidokan, c'est une grande histoire. Hein. Des fois, t'as des persos, tu sais pas pourquoi, ils ont pas des liens. Ça se fait pas bien un ZTUR sur Jubai en plus. Je pense ils vont en faire un, clairement. Hein. Ça va arriver sûr ça. Arrive, ça serait trop bien, quoi. Sûr. C'était génial de jouer cette unité, il était trop fort à l'époque. Bon, clairement, le seul truc, c'est qu'il avait 5% de PV. Ouais. Donc ça a pété tout, quoi. Mais sinon, il était super fort. Bah écoute, je vais te présenter ma team. Oui, vas-y. Je te présente la tienne aussi. Je te présente ensuite. Alors, je rappelle, pour les liens, j'avais ND Saiyan. Donc pour ND Saiyan, j'ai pris Baby AJ gratuit de l'event de Baby. Ouais. Et Trunks infecté. Non, Gohan infecté tech. Gohan méchant là. Mm-hmm. J'étais pour le lien savant du coup j'ai pris la Bulma Lapine du portail Dragon Ball du tournoi du Tenkaichi là ouais. Et la Bulma Free to Play 100% gratuite tech ouais donc celle-là qu'on avait eu il y a longtemps avec l'event là. Pour le lien Bataille Divine donc j'ai pris Golden Freezer tech en leader. Il fait mal lui. Et Goku Blue Tech de cœur. Ouais, bon t'as quand même le Golden Tech qui a une unité, si, je sais pas si tu l'as 100%, mais c'est un monstre, clairement. Non, c'est un monstre, clairement. Mais non, je l'ai avec un doublon, en fait. D'accord. Je l'ai avec un doublon. Mais c'est déjà ça. Ouais, c'est déjà très on bien. On va pas se plaindre. C'est déjà ça. Et du coup, en ami leader, j'ai pris le Gotenk Tech. Pour les items, bah, Senzu Dende, Fantôme et Edma comme d'hab. Et puis, bah voilà. Je te laisse présenter la team. Ok. Eh bien, écoute, en leader, je me suis mis le couleur LR, 100%. Lui qui faisait partie de la catégorie, c'était quoi? C'était peur et désespoir, je crois. Ouais, c'est ça, peur et désespoir. Donc, du coup, j'ai pris lui de cette catégorie et j'ai pris Janemba à extrême puissance aussi. Ah, du coup, j'ai une team full extrême, en fait. Hein. C'est le principe. Et du coup, dans la catégorie génie, bah, j'ai pris le Vegeta LR extrême. Du coup, là, le intelligence. Ah ouais. Eh ouais, forcément. Ah ouais. Avec le Freezer full power, du coup, endurance. Aïe. Donc, aïe. Ah ouais, voilà. Tu vois, on a quand même ce qui n'est pas dégueu, quoi, clairement. Ah, ta team, elle est terrible. Et troisième lien, bah, deux Saibaman, parce que j'ai aucune des unités de Saiyan. D'accord. Donc, du coup, deux Saibaman. Et ami leader, bah, j'ai pris un rosé agilité, du coup, ouais, qui était là pour les extrêmes. Quoi. D'accord. Bah, écoute, j'ai fait ma première rotation. Je suis sur Gogeta. J'ai 152 000 PV. Ok. Bah, je t'attends. Eh ben, moi, je suis prêt, c'est quand tu veux. Tu me dis 3, 2, 1, allez, go, pim, pam, 3, 2, 1. Allez, la bagarre. La bagarre, avec le meilleur perde, comme toujours. Hop, on va faire partir Cyberman en spé, parce que du coup, c'est très utile. Voilà. Et à l'attaque. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce mode de jeu, donc du coup, je sais pas s'ils sont solides, s'ils font mal et tout, les persos. Bah, en fait, c'est le premier event de Gogeta qui est sorti tout au début, bah, c'est exactement le même. Ouais.
Donc non, ça va en fait. Les deux là, ils partent plutôt vite. Et puis le Gogeta derrière, il a pas non plus une barre astronomique de PV. Ah oui, Gogeta, tiens, le voici d'ailleurs. Le fameux Gogo, le Geta, le Gogo, le Geta. Il est là. Hop, on va faire comme ça alors. Bon, j'espère que je vais pas mourir. Parce que. Bah, moi, j'espère que tu vas mourir, moustache. Avec 152 000 HP, ça va être compliqué. Hein. On verra. En plus, je peux vraiment. Oh, il part en SP direct, c'est une blague. Merde. Attends, il fait mal lui en SP. Oh, il part en SP. Je crois qu'il fait du 80 000. Peut-être. Oh, ça va. Ouais, ouais, non, ça va, ça va. Ouais, ça va, 80 000. En vrai, ah, d'accord. Putain, j'ai l'habitude des random rush, du coup, en général, ils partent à 100 000 en attaque SP et tout, ouais. 120 000. Bah là, dis-toi qu'il me reste 25 000 PV. Waouh. Ah ouais, t'as pris cher d'entrée de jeu. J'ai pris très 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 cher. Ok, bon. On va partir là comme ça. Ouais. Rosé. Vas-y, fais mal. Ah, mais il a pas de critique, il a rien, c'est vrai. Oh, les dégâts de Rosé, qu'est-ce que c'est ça? Il l'a fini? Ouais, il a mis 1,8 million. Ah ouais? Il avait pas le temps là, Rosé. Hein. Ouais, parce qu'il est passé par la tête. Attends, c'est qui les boss après? Cell. Ah, Cell, il est chiant, je crois. Cell, est-ce que je te donne des. Je suis en train de me demander. Ouais, je crois que Cell, il se régène et tout, hein, si j'ai bon souvenir. Ouais, il se régène. Et puis surtout, la première partie, t'as des. Les mini-cells du coup, bien relou. Hein. Ouais. Ouais, je vois. Oh, par contre, je me tape deux fois la même rotation parfaite, on est content. Ah, mais en vrai, je suis content parce que en vrai, deux fois rotation, tu sais, j'ai pas les deux Saibaman dans le même tour, donc du coup, on est plutôt content. Ah. Parce que ça, dès que ça va arriver, par contre, ça va être la PLS. Hein. Le Saibaman, il va pas encaisser, hein. Il va souffrir, le pauvre. Les fameux Saibaman. Ouais, la tristesse des Saiba. J'espère ils vont te spé dessus comme jamais. Ils vont te lâcher une spé. J'ai pas envie qu'ils me fassent mal. Hop là, bon, t'en es au boostage. T'es parti sur quel bonhomme? Bah écoute, je viens de finir Gogeta en fait. D'accord, ok. Je viens de finir Gogeta. Oui, en fait, je pensais que t'allais plus vite. Oui, ça. Bon. C'est un peu compliqué, mais écoute, le duo de Bulma, Bulma Lapine plus Bulma Truc, il se donne qui plus 5, qui plus 6, ça fait. Ça, j'avoue que c'est ça pas fait mal, quand ça, même ouais. Le café. Ça fait le café. On va mettre. Ouais. Boum! On va mettre le Golden. Ah, c'est tout, 500 000, putain, je pensais qu'on allait faire plus. J'en suis à un point où je sors carrément le Gotenks SSJ3 de la rotation tellement il est nul sans arbre. Parce que Gotenks SSJ3, oh là là, je sais pas si j'ai le droit de te laisser dire ça. Gotenks, je l'aime tellement, oh, j'ai tellement hâte de son ZTUR. Non, moi aussi je le kiffe, mais ça, franchement, avec l'arbre gratuit, plus son 12 de kill là qui chamboule tout là, c'est terrible. C'est catastrophe. Et puis, tu vois, mon leader il donne pas de kill, du coup je pars à kill plus 3 à chaque tour. Donc oui, forcément. Ouais. Mais c'est marrant, j'aime bien, c'est une façon différente de jouer. Mm-hmm. Et franchement, c'est cool. Non, carrément, ouais. C'est vrai que même, de toute manière, le fait de réfléchir avec les liens et partir même sur des events comme ça que t'as pas l'habitude de faire, en vrai, c'est un peu perturbant. Du coup, c'est cool en fait. T'as pas tes habitudes de base. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quand même sympa, ouais. Bon, on va lui passer le tour à nous. T'en as où du coup? Je suis parti sur Goku, moi en fait. Et t'en as quelle phase? J'en suis au Goku SSJ Blue là, je le démarre tout juste. D'accord. Oh la tristesse, quoi, il manque un ki pour partir en SP. Oh la tristesse. Faut vraiment pas qu'il m'envoie l'attaque SP là parce que s'il m'envoie une attaque. Non, faut vraiment que je parte en SP avec. Oh yes, je suis parti en SP. T'es parti sur qui toi d'ailleurs, comme bonhomme? Ah bah je suis parti sur Juboy parce que moi ma team elle est tech donc forcément. Ah bah oui forcément. Waouh, moi j'ai une attaque SP d'entrée de jeu. Wow, 40 000. Ça fait mal. Tu m'as dit t'es au Juboy là? Non, pas au Juboy, je suis à SSJ Blue. Hein. D'accord, ok. Oui, ouais, non, j'aimerais bien être à Juboy mais bon malheureusement je fais pas encore suffisamment de dégâts pour y arriver. C'est tout. Ah il va pas le tuer si. Franchement Rosé, t'es un frère si tu le tues. T'es un frère, mais il ne tuera pas, c'est sûr et certain. Je vais éternuer. Yahoo! Ah, désolé, moustache. Tu fais, c'est t'inquiète. Ah, c'est bon, je suis au Dubaï. Hop, on va mettre ça là. Hop, ça ici. On va mettre ça là. Ah, oh, attends. Ouais, dis-moi. Oh, ça serait beau si je pars en Dokkan mode là. Ah, je croyais qu'il fallait que je m'arrête de jouer, moi, d'accord. Non. Je continue de suite alors.
T'inquiète, t'inquiète, tu peux jouer. Par contre, moi je suis un peu dégoûté. Ouais. Parce que je vais partir en Dokkan mode sur la Bulma au lieu de partir sur le Golden Freezer. C'est sur Kijubai ? Non, justement, je suis la phase au Super Saiyan Blue. Ah, d'accord. Boum ! Supernova ! C'est tout ? Quelle déception. Quelle déception cette Supernova alors ? Ah, j'aurais bien aimé qu'il fasse une double SP là, le Golden. Ah, tu fais pas écoute, plaisir, moi aussi j'aurais bien aimé, mais bon, malheureusement. Bon, en vrai, le Dokkan mode il va me servir extrêmement à rien. On est content. T'as fini là ? Non, j'ai pas fini, mais ça fait mal. Ah, et t'as fait quoi ? Ah, j'ai fait beaucoup. T'as fait une petite SP ? Non, mais moi j'ai fait une attaque SP qui a fait mal, quoi, ouais, clairement. Mais tu vois, c'est ça aussi qui est bien, qui est cool sur ce mode de jeu, c'est que même si on a des teams de merde. Ah bah super, j'ai raté les deux trucs du Dokkan mode. Même si on a des teams de merde, l'event il est pas super super dur, tu vois. Non, bah ouais, carrément. Ouais. Parce que il y a des events, t'arrives, t'as une team de merde, ils te mettent une speed, hop, c'est fini. Ah, c'est vrai que là c'est pas très compliqué quoi. Ça t'est déjà arrivé en road of rush, genre t'arrives, premier boss. Combien de fois ça m'est arrivé. Mais après, des fois tu peux rien faire. T'as les mauvaises équipes, t'as la mauvaise rotation, ouais, sur le ça. Tour, tu manges l'attaque speed sur le bonhomme où il faut pas. Et... ça c'est terrible quand ça arrive. Exactement. Mais ouais, c'est déjà arrivé. Puis après, c'est déjà arrivé aussi de faire des conneries. Hein. Mais je te dis, je suis le roi de la boulette en random rush. Déjà, je joue à deux à l'heure. Même là, en vrai, je vais pas très vite. Hein. Chaque fois, je suis con. Hein. Pourtant, même si l'event il est pas dur, je vais réfléchir. Hein. Alors qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Et du coup, je perds vachement de temps sur ça. Et puis ouais, des conneries à chaque fois. Là, j'en ai fait. Je suis connu pour ça. Ah, tiens. Pour les conneries. Ouais, j'ai le Dokkan mode, tiens. On va skipper l'animation, on en a pas besoin. On peut se permettre de la skip. Alors, est-ce que je vais finir le Jubai ? Non, je pense pas. T'as nous à Jubai là ? Ouais, et toi ? D'accord. Bah, moi je viens de le finir là. Comment c'est ? D'accord. Ouais, là il est mort là. Ça, il est mort tout juste. Mais moi, bon, Jubai, je vais dire la vérité, il était tech. Donc, sur Jubai, il y avait moyen que je garde la distance. Ouais, mais tu l'as pas tué encore. Ça va être plus compliqué. Bah lui, là, il lui reste genre 30 HP quoi. Ah. Ah, c'est dur ça. T'as dû refaire une rotation, faire un tour. Ouais. Ah, c'est chiant ça. C'est horrible. En plus, c'est quand c'est ta meilleure rotation, t'as bien le seum. Ouais, en plus. Non, mais je trouve que t'as quand même des liens qui aujourd'hui étaient bien sympathiques. Moi, j'aime bien découvrir ce genre de concept quand je sais d'avance que. Voilà, je peux gagner, tu vois. Là, franchement, quand j'ai vu les liens que t'as tirés, les liens que tu m'as donné, bon, je me dis, normalement, si je perds, je suis une grosse merde, clairement. Mais du coup, voilà, je suis content parce que le combat, normalement, devrait être à mon avantage, mais plus qu'à mon avantage. Par contre, l'attaque SP du Vegeta LR, l'attaque ultime, elle est trop belle, je l'avais jamais vue. Elle est magnifique. Ah ouais ? Ouais, elle est trop belle. Trop beau, ce Vegeta. Ça, tu l'avais jamais vu. Bah, en fait, je le joue. Ça m'est déjà arrivé de le jouer en random rush, mais de pas. Comment dire ? T'as jamais eu assez de ki. Ouais, en fait, voilà, ouais. Jamais assez de ki pour partir en attaque SP ultime, donc je découvre. Et là, ouais, putain, c'était beau là. C'était l'e-sport ça. Franchement, elle était classe. Mais de toute façon, ce Vegeta, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Ouais, de ouf. Il attaque 2-3 fois, donc vraiment très très pratique pour le coup. Et ouais, là il me sauve bien la mise en vrai. T'en es où ? T'as passé Jubai ? Ouais, là je suis au Trunks. Trunks que je vais peut-être finir. Allez, Golden qui part en spec, 430 000, incroyable. Ah, c'est déjà bien. Ah, il l'a fini. Ouais, donc je suis au Trunks Tech Super Saiyan. Aïe, tu me rattrapes. Aïe, ouais. C'est pas bon ça. Bon après, tout est relatif. C'est pas bon pour le business. Ah si, tu me rattrapes là. Là, je suis pas bien, Boustache. Y'a qui comme, comme boss après là ? C'est le dernier. C'est le dernier ? Bon, mais très bien alors. Et le dernier, c'est qui ? C'est Trunks Ikari ? Violet ? Ouais, exactement. Ok, bon, mais j'y suis pas encore. Voilà. J'y suis pas encore, si ça peut te donner une petite idée. Enfin, j'y étais pas encore, maintenant j'y suis. T'es au Imps là ? Oui. Ah. Oui, bien évidemment. L'espoir que j'avais s'envole. Mais non, t'as pas. Y'a pas de raison. Faut toujours croire en l'arme des cartes. Tu sais, c'est pas les personnages qui sont forts, c'est ce que t'en fais, Boustache. Hein. Comme dirait un certain Patrick Bruel. Hein. N'oublie jamais ça. Et c'est parti pour l'attaque SP. Est-ce que ça sera décisif ? Voyons, j'ai pas vu, il avait combien de barres de vie, lui ?
Ah, mais il avait qu'une barre de vie. Bon, bah c'est bon, j'ai terminé. Il avait qu'une barre de vie. Ouais, j'ai terminé. T'as terminé ? Ouais, c'est fini. C'est fini. Du moins, le temps que t'as fait quand t'as appuyé sur le buzzer. Ah, mais j'ai fait un temps de ouf parce que je t'ai attendu 40 ans. Dans la rotation. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est vrai que tu m'as. De toute façon, on a lancé en même temps. Donc, non, je sais pas combien j'ai fait, mais je t'ai attendu vachement de temps. Ok, bah écoute. Du coup, il y a marqué. Bravo à toi. Il y a marqué quoi, 14 minutes, mais bon, en vrai, j'ai dû mettre bien moins que ça, quoi. Moi, je suis pas mécontent de ma performance, honnêtement. Je suis fier de toi, Boustache. Avec la. Merci, c'est gentil. Je suis fier de toi. Et... avec la team que j'avais, je trouve ça assez propre, en vrai. Non, ouais, non, après, c'est vrai que. En toute honnêteté, j'avoue que t'as vraiment pas eu de chance sur les liens que t'as pu tirer. T'as tiré certainement les pires liens du monde possible. De ouf. Mais bon, c'est le jeu. Ouais, c'est sûr, c'est le jeu. Bon, c'est chiant. Quand tu perds sur ça, c'est horrible. Quand tu sais que t'as aucune solution de dispo. Hein. C'est un peu chiant, quoi. Il y a un moment, j'ai eu de l'espoir. Ouais. Et puis, il s'est envolé. Ouais. Il s'est envolé. Bon, bah écoute, bien joué à toi. Lilian remporte ce premier tour, les frérots. Oui, j'ai gagné. Putain. Je compte sur vous pour aller checker sa chaîne. Hein, ça ferait plaisir. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher vos petits pouces bleus si le concept vous plaît. Et à vous abonner aussi. Je mettrai les Dokkanim Challenge d'avant. Si vous voulez les voir, juste ici sur le bouton i, donc n'hésitez pas à check. Bah écoute, un grand merci à toi Lilian pour ce petit Dokkanim, ça m'a fait bien plaisir de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne. Ça faisait un moment que je voulais t'avoir et puis c'est chose faite. Ben non, donc, mais c'est moi qui te remercie pour l'invitation. C'est moi qui te remercie. Et puis de toute manière, comme tu l'as dit en début de vidéo, on se fera la revanche directement sur ma chaîne. Donc du coup. Tu feras ça très, très rapidement et puis tu auras le droit à ta revanche parce que là malheureusement voilà, c'était un match, c'était un non-match clairement. Moi je jouais tranquille, je regardais limite même pas ce qui se passait. Bim bam boum. Il était en train de regarder une série quand. Ouais, là il y a le match justement qui a démarré, on va aller regarder ça. J'aurais dû regarder le match en même temps, en vrai je pense que ça aurait été pareil clairement. Oh, gamin. Bon bah écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de Dokkanim Challenge comme d'hab normalement au week-end prochain. Je vous fais plein de bisous et je laisse à Lilian le mot de la fin. Eh bien encore merci, en espérant eh bien, que vous aurez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, comme l'a dit Boustache, pensez aux pouces bleus, pensez aux réseaux sociaux, pensez aux abonnements, tout ça. Et on se fera la revanche avec grand plaisir. Merci encore et puis on vous dit à très vite les gens. Bisous. Ciao. Bisous.